أزول نسوف يسون الأكتوال نو غال ضروروني ثم دي ثاقي غال نعرض المسلي غافا تاس نتمسال اللي يغي الشغفان ما لقي دي فرنسا عما دي ثمور ثلاث غام بعداني دي دران ثاقي را ندور ثاقي عندنا كيف تولي مدقيا دي فرنسا غادي تي كلتني أظن ثلاث ديوث نتخزا في ثنار فرا فاد نعرض المسلي يون المزيد غان دارومي ذا الزهري ذا قبايلي ذا غان يسبديتو السنة قاعدان إيمانويل ماكرون مقبل كان دور تخزا في ثاقي وكنا دي ولي غام كيرا دفن تساوي لا تسوي سرس نقص يعني كتروني جي المزينة كثرة ذي الانترنت مع تصهات يثني تكلي خانو تاون تن إيوا كنا ذا وين يري فردان وقير ذا كريم مملالة حين غازو الفلاش زول بونسوار فوالا اي بي كريستوف ميديسي كي ايت افيك نو كوم شاك فوا كريستوف ميديسي اون دو لا فير اون فرونسي سا في أزول. سا في 7 8 ans ازول فلاش ازول اي بي لا راشي ازول ازول فوالا سي امبورطون كوم دافوار كريم مملالة افيك نو نوتامون ابري سكي سي باسي دونك يا 3 جور ابري سات هوريبل اتونتا اي فيان ديت ديزيني دونك بار ايمانويل ماكرون كريستوف جو رابال اوسي فوز اي ترافايي بوكو سور لي ريزو سوسيو كونيكتي وي فوالا J'imagine que c'est difficile pour vous, cette mission. C'est difficile, c'est un sujet énorme. On a été missionné pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme sur Internet. En fait, le sujet est beaucoup plus large que ça. Ça englobe en fait, ce qu'on appelle la cyber-haine, donc toutes les formes de haine, sur le fondement de l'appartenance ethnique, religieuse, sexuelle, présumée. Ça cible absolument tout le monde. Ce n'est pas un sujet d'ailleurs qui concerne, pour être très très caricatural, uniquement les Noirs, les Arabes, les Juifs. C'est un sujet qui concerne absolument tous ceux qui vivent dans ce pays, parce que eh bien, la haine qui se déverse, ce n'est pas quotidiennement, c'est chaque instant sur Internet, à travers notamment les réseaux sociaux, pas que, s'en prend indifféremment aux femmes, aux différentes minorités, comme on dit, à quiconque en réalité. Et le problème essentiel, parce qu'il faut emploie toujours une image qui est très... Imaginons que nous soyons, je ne sais pas, sur la place de la Concorde, tous les quatre, et qu'on commence à s'injurier, à se diffamer, à s'en prendre à nos mères, à je ne sais qui, à nos religions présumées, tout ça de façon gratuite, en toute impunité, en public. Eh bien, Internet, c'est pareil. Internet, c'est un espace public. Et il y a des lois en France qui encadrent la liberté d'expression. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut. Ça veut dire qu'on a le droit de dire ce qu'on veut dans certaines limites. Alors, vous parlez de cyber-haine, c'est ce que je disais dans mon livre Homo Connecticus, il y a un problème de cyber-harcèlement même, et qui commence même dès jeunes, puisque dès la scolarité, on sait très bien que le harcèlement scolaire dont on parlait peu, il y a encore quelques années, se développe maintenant énormément sur Internet. On sait aussi que nos jeunes sont des hyper-connectés, on les appelle les multitaskers, n'est-ce pas, hein? Donc ils passent des heures, et c'est un gros problème sur Internet. Donc j'ai une question à vous poser là-dessus aussi, monsieur Amonal, est-ce que vous intégrez aussi le cyber-harcèlement scolaire dans votre mission? Alors, on en est au tout début. La mission est en train de commencer. On a carte blanche dans le cadre qui nous a été fixé par le président de la République, donc le racisme et l'antisémitisme sur Internet. Ça englobe effectivement, à mon avis, on en discutera ensemble. Le cyberharcèlement. Évidemment, ça, mmh. ça concerne en fait ce que je disais à l'instant. Toutes les formes de haine, peu importe la manière dont elles se déploient. On a par exemple un phénomène qui est pas nouveau, mais qui est quand même très très inquiétant, ce qu'on appelle les raids sur Twitter par exemple, avec des systèmes sophistiqués, structurés, qui viennent de la fachosphère par exemple, à travers des gens qu'on appelle les haters, voilà, qui sont des gens qui passent, des individus qui se retranchent derrière l'anonymat, autre problème essentiel, et qui s'en prennent à une personne, par exemple, ou un groupe de personnes, et qui passent leur temps, à travers des tweets et des retweets et des systèmes de conversation, eh bien, à attaquer. D'ailleurs, pour nos amis téléspectateurs, on va dire que les haters, ça vient de hate, la haine, donc voilà. C'est les haineux, c'est les haineux, voilà, c'est en anglais. C'est les haineux, exactement, exactement. Lara, moi, je pense qu'il y a quelque chose, et je vais éventuellement solliciter votre réaction, c'est la société qui est en retard. Parce que toute la civilisation moderne, quel que soit le pays, c'est construite autour de ce qu'on peut appeler l'agora, le forum. Mais c'était une représentation physique. Et c'est excellent quand vous reprenez l'image de la République, vous, nous, les quatre,
l'un ou toi, il y a forcément une limite par le physique lui-même. Hein. Vous êtes plus grand, plus petit, plus costaud, moins costaud. Donc toute notre civilisation, elle était construite sur des droits et des interdits mutuellement acceptés ou collectivement acceptés. On passe une civilisation, il faut le dire, numérique, où le plus malin se cache derrière l'ennemi. Hein. Et bien sûr, la haine, elle est presque millénaire. La haine du juif, la haine de la femme, la haine de l'arabe, la haine de soi. Quand on va tweeter quelque chose, d'abord c'est la haine de soi qui est rejetée sur les autres. Mais de quelle façon les prérogatives de cette mission, de quelle façon on peut aller vers une régulation sans toucher à la liberté? Je crois que vous avez posé exactement les termes du débat. La question fondamentale, c'est l'espace public, c'est-à-dire l'espace où on vit tous ensemble, collectivement. Et je ne vais pas reprendre ce que vous avez dit, évidemment, dans la vraie vie, c'est-à-dire dans la réalité, par opposition au monde virtuel, il y a des règles, il y a des lois, et on ne peut pas s'invectiver, s'injurier, se diffamer comme ça. Sinon, c'est la jungle, sinon il n'y a plus de société cohérente qui repose sur des valeurs qui sont celles de la République. Il y a une différence en France avec les États-Unis, peut-être qu'on y reviendra. Oui, mais bon. Il se trouve qu'il y a des lois. En France, il y a des lois qui interdisent l'antisémitisme, le racisme, le négationnisme, nier par exemple un crime contre l'humain. C'est interdit dans l'espace public réel. Il se trouve que ça, c'est ce que vous avez dit, ça n'existe pas sur Internet. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'il y a un vide juridique. Exactement. Et qu'il va falloir légiférer alors, certainement ou que la loi change. Alors, vide juridique, oui c'est pas non. Certain. Oui et non. Il manque parce que les lois qui s'appliquent dans la vraie vie, elles s'appliquent aussi sur Internet. Peut-être qu'il va y avoir un nouveau droit qui va être créé. Peut-être. Le droit, peut-être qu'il faut. Le droit d'Internet. Imaginer une nouvelle loi. Absolument. Absolument. Peut-être qu'il faut imaginer une nouvelle loi. On verra. C'est dans le cadre de notre mission. Quels seraient ses contours. Je pense que ça pourrait être sans atteindre la liberté. Et c'est un des objectifs. C'est un des objectifs. Mais il y a quand même des lois qui existent bien et sûr. Qui s'appliquent. Bien sûr. Le fait est que sur Internet, elles ne s'appliquent pas. Et je termine juste là-dessus parce que vous avez employé le terme de régulation. Qui est fondamental. Comment est-ce qu'on régule, on arrive à le faire dans la vraie vie, le monde réel, Internet est aussi la vraie vie, hein, vous l'avez dit, puisqu'on y passe des heures et des heures, et en particulier nos enfants, mais comment est-ce qu'on fait pour réguler cet espace virtuel? Juste un point, je viens de d'écrire un bouquin qui parle de la révolution de la servitude, bref, oui, de l'ubérisation, etc. etc. Ouais. On parle aussi beaucoup de fiscalité. Fiscalité des GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Vous savez qu'une entreprise comme Uber, valorisée 70 milliards d'euros, elle paye en France un peu moins de à peu près 100 000 euros, une PME. Bon. Et c'est etc., juste un scandale. Etc., ce qui est un scandale. Parce que citoyenne autant et la petite PME et TPE, elle appelle comme un malade des impôts. Évidemment. Ça, c'est juste un scandale. C'est un scandale. Ah, on est d'accord. Ne parlons pas d'Apple, ne parlons... D'accord. C'est un scandale, bien sûr que c'est un scandale. Mais le problème est celui-là. C'est celui de la régulation. C'est-à-dire que vous prenez la fiscalité du numérique, et des GAFA en particulier, vous prenez la question de la haine, de la régulation, des propos qui sont interdits par la loi normalement. Et vous prenez le droit du travail, autre problème. Bon, Deliveroo, les chauffeurs, ce qu'on appelle les bikers, qui prennent tous les risques, qui sont protégés par rien. Un siècle et demi de droit du travail et de progrès sociaux anéantis par des startups. Oui, mais alors le problème, Karim, si je me permets de vous couper, c'est que les États sont co-responsables, dans la mesure où les GAFAM, c'est la dernière partie de mon livre, Homo Connect, faut-il avoir peur des GAFAM? Oui. Les États, tous, autant que, pas que la France, ils ont laissé monter ces grosses boîtes qui, vous le savez comme moi, Larry Page et tout ça, se prennent pour les rois du monde, pour les rois du pétrole, et se foutent royalement des politiciens, et même des États, et même des gouvernements, en disant, nous, on est métapolitique. Vous savez très bien ce que je vous dis là, parce qu'on est tous les deux des experts de cela. Et Larry Page, le patron de Google, pour nos amis téléspectateurs, n'est-ce pas, dit, on va créer des méta-États, vous savez comme moi, qui créent des îles virtuelles et des lieux virtuels, où ils vont être au-delà, vous m'entendez bien, au-delà des lois des pays. Et vous-même, en tant que particulier, là je ne parle pas des hommes publics que nous sommes, ils savent tout sur nous, tout. Entre nous, si on est un Gmail, est-ce qu'on a lu le contrat de Gmail à chaque ligne? Ils peuvent lire tous nos mails. Ils savent ça, tout. Ça, je ne sais pas, ça, comment ça, vous réagissez par... Oui, mais c'est on voit ce qui arrive avec Facebook. Là aussi, c'est hors la loi.
Oui, c'est hors la loi. Bien sûr. C'est tous ces problèmes qu'on évoque, la question de la haine et de la violence des propos sur Internet, pas des propos, la question de la fiscalité que vous évoquiez, la question du droit du travail, la question de notre vie privée, absolument, donc des données. C'est l'absence de régulation, c'est le résultat de l'absence de régulation, et donc effectivement d'une co-responsabilité des États de l'Union européenne, de la France en particulier, pour des raisons qu'on connaît, hein, par désintérêt d'un certain nombre d'hommes politiques qui n'y connaissent rien à du Internet, tout. Oui, oui. Par complètement largué, par facilité, parce que on a par facilité ou opportunisme, parce qu'on a considéré que, par exemple, Facebook et Google, c'est pas tout à fait faux, hein, c'est même en grande partie vrai, faisaient gagner beaucoup d'argent à beaucoup d'acteurs économiques, donc que c'était un instrument de la croissance économique, et donc on n'a pas voulu être trop offensif, trop violent avec Google, Facebook, etc., en leur disant, ok, bon, peut-être qu'ils contournent la fiscalité, ils font le laisse, mais bon, quand même, ils créent des milliers d'emplois, etc., on ne sait pas trop si c'est vrai, mais enfin, en tout cas, il y a eu un argument économique clair qui existe. Il y a aussi, il faut bien souligner, moi j'essaye dans justement ce livre, et je pense qu'il faut garder ça en tête aussi, vous avez raison, moi, je pense que c'est un vrai sujet de régulation, et l'État n'a pas suffisamment régulé sur tous ces aspects. Mmh. Mais les plateformes sont des acteurs entrepreneuriaux, des acteurs économiques, ma foi traditionnels, même s'il y a des valorisations qui peuvent dépasser l'entendement, etc. Mais ils se comportent en entreprise. Google, Facebook, les plateformes, les réseaux sociaux, Twitter, sont des entreprises. Elles profitent, ça rejoint un peu ce qu'on disait, mais elles profitent des failles, des défaillances, de la réglementation qui existe. Et donc, nous sommes tous en réalité responsables de ça, les États, les plateformes, mais aussi les citoyens. On parlait de l'anonymat aussi. Les haters, ce sont des gens comme vous et moi. Hein. Peut-être pas tout à fait comme vous et moi, mais enfin, en tout cas... Un peu plus tordu. Un peu ouais, peut-être. Moi, je rebondis sur certains aspects, parce que l'analogie temporelle et spatiale que je viens de faire sur l'évolution des sociétés, c'est que, au début, la notion de l'interdit, elle est mutuellement, socialement, collectivement acceptée. On s'interdit, même si j'ai envie de dire un mot. On s'autocensure. On s'autocensure. Et bien sûr, le législateur, l'État de droit, a légiféré. Oui. Du fait que l'action sociale, culturelle, politique, a conduit la société à accepter collectivement la notion de l'interdit. Chose qu'au niveau d'Internet, et si vous avez absolument raison, quand vous dites que les politiques ne comprennent absolument rien, et à mon sens, moi, ils ne comprennent pas simplement l'informatique, ils ne comprennent pas la nouvelle société qui est en train de naître. La société multinumérique, pour paraphraser le terme multiculturel, multinumérique, parce que vous avez à l'instant T, maintenant, ici, maintenant, tous les fournisseurs en face de vous pour acheter, par exemple, ce produit-là, de Alibaba jusqu'à Amazon, en passant par eBay, en passant. Et le législateur devrait réfléchir d'abord sur les fournisseurs d'accès, comme pour les autoroutes, comme pour la vie, pour aller à ce que vous avez appelé tout à l'heure la place de la République. Il y a des ruelles, il y a des rues, il y a des avenues. Donc, réfléchir sur les fournisseurs d'accès, c'est eux les premiers responsables. Qu'un excité, un huneux puisse écrire sur Internet ce qu'il veut, mais si on lui donne l'accès, il peut écrire. Oui. L'accès, le droit d'accès. Mais dans ce cas-là, comment faire justement? Voilà, c'est plus la prévention. Il faut pas, c'est bien de légiférer, de punir, mais l'idéal, c'est d'empêcher justement que ça se produise, comme ce qui s'est produit il y a quelques jours. Alors, sur la loi, on verra. Est-ce qu'il faut de nouveaux outils? On verra. Il y a la question aussi des outils techniques qui existent. Le signalement, les plateformes de signalement, la question des moyens judiciaires, de la réponse judiciaire qui est insuffisante aujourd'hui. C'est-à-dire quand il y a une plainte qui est déposée, c'est vraiment la justice n'a de fait pas les moyens de traiter ce type de plainte. Donc ça, ce sont des sujets très très importants qu'il faut traiter. Vous posez la question fondamentale de l'amont, en fait, de la prévention. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait moins de haters ou qu'on réduise le niveau d'intensité de la haine
sur les réseaux sociaux notamment, plus largement d'ailleurs sur Internet. Il y a un sujet qui est central, ce qu'on appelle un peu l'éducation aux médias, par exemple, dans les programmes de l'éducation nationale, mais tout ça, ce sont des modalités. Le vrai sujet qui doit nous préoccuper, c'est un truc très très bête et vieux comme le monde, c'est l'esprit critique. Nous avons, et en particulier pour les plus jeunes, perdu la notion de l'esprit critique, et pour des raisons qui tiennent à l'infrastructure de l'éducation nationale, des moyens techniques, les programmes, on a effectivement oublié, ou perdu de vue plutôt, que, je ne vais pas donner de chiffres qui risquent d'être fautes, mais enfin, 90% aujourd'hui, 95% des adolescents, c'est-à-dire des jeunes qui ont 13, 14, 15 ans, sont sur Snapchat par exemple, et peuvent produire de façon instantanée et 500 fois par jour une multiplicité hallucinante de contenus. En même temps, Karim, moi ce que je trouve intéressant, oui. C'est que je crois qu'il faut qu'on soit pondéré. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Oui. Et d'une certaine manière, ce n'est pas tout noir ou tout blanc, Internet. C'est aussi un merveilleux outil de liberté d'expression. C'est aussi un merveilleux outil de contre-pouvoir. Oui. C'est aussi un merveilleux outil. Les vraies révolutions d'aujourd'hui, elle le disait, et demain seront là-bas. Maintenant, c'est de la cyberpolitique qui se fait. Et d'une certaine manière, vous savez, je pense que... Alors vous, je ne dis rien contre vous ni le gouvernement, ce n'est pas le problème. Mais nos amis politiciens ont un petit problème avec ça. Avant, c'était les rois de la manipulation, d'accord? Et moi, si j'ai un héros et un seul, ces dernières décennies, c'est bien Edward Snowden, n'est-ce pas? Parce que Edward Snowden, il a montré que les services secrets, eux aussi utilisaient tous ces services-là, eux aussi, notamment ce qu'il a fait montrer au niveau du scandale de la NSA, n'est-ce pas? Et quand il a montré que, au grand monde, vous avez vu comme moi, chers amis téléspectateurs, je vous conseille de regarder Citizen 4, ce fameux documentaire qui a eu un Oscar. Hein. Donc, attention, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je vais vous interroger sur ce sondage-là au Doxa qui est sorti. 85% des jeunes Français de 18-35 ans n'ont plus confiance en les hommes politiques. Moi, je les comprends. Et vous, que pensez-vous de ce sondage? Bah, je les comprends aussi. Évidemment, je les comprends. Bien sûr, c'est très bien. Je les comprends, mais je comprends ce que vous dites. Et on a évidemment à cœur d'atteindre un équilibre entre la liberté d'expression, qui est une liberté, pas dire évidemment fondamentale, mais qui est plus que ça, qui est une liberté sacrée. Et c'est là qu'il faudra jouer. Mais en même temps, en France, du moins, ce n'est pas le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, vous pouvez porter un t-shirt où il y a marqué « Je suis nazi ». Vous pouvez exprimer n'importe quelle opinion sans aucune restriction. Nous considérons en France, et je suis heureux de ça, je ne sais pas si vous partagerez mon avis et ma conviction, il se trouve qu'on n'a pas le droit de dire ça, pour des raisons historiques, etc. Et ce n'est pas attentatoire à la liberté d'expression, on peut délivrer n'importe quelle opinion et s'en prendre aux politiques et critiquer n'importe quoi, je tiens bien ça, et critiquer n'importe quoi, ça veut aussi dire critiquer des religions, par exemple. C'est ce qui se passe d'ailleurs. On peut le faire, on a le droit de le faire, on est en France, on a le droit de le faire. Et c'est fondamental. En revanche, on n'a pas le droit d'injurier, d'insulter, de diffamer, d'être violent dans ses propos à l'égard d'individus. Ou de communautés. Ou de communautés, évidemment. Culturelles, spirituelles. Sur le fondement de leur appartenance religieuse, ethnique. Sexuelle, etc. Réelle ou supposée, bien sûr. Donc la liberté de délivrer, d'exprimer une opinion, elle ne doit en aucune manière être bornée à moins qu'elle porte atteinte à autrui. Évidemment, et c'est toute la conception de la liberté d'expression depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La liberté est une réalité, doit être une réalité, mais elle doit être encadrée, sinon nous considérons que ça ne peut pas permettre de vivre dans une société réellement libre. Moi, je souhaite réagir sur les propos de Christophe. C'est quand vous dites, c'est vrai. Concernant la qualité de l'information, moi j'appelle ça le fait qu'on peut savoir qu'est-ce que font les chambres noires sur beaucoup de questions, hein, les élections, les enjeux politiques, géopolitiques, ça. Mais par opposition, quelle est votre réaction dans le domaine du cyberterrorisme, Daesh et toutes les organisations. C'est ça le problème, c'est qu'il y a tout. J'arrive. Ouais. Toutes les organisations comme Daesh, autant vous revendiquez cette liberté, cette transparence qui est fondatrice pour toutes les civilisations. De l'autre côté, vous avez
j'irai plus loin, pas simplement le fachosphère, mais le cyberterrorisme. Aujourd'hui, Daesh, au jihadosphère, le Daesh physiquement n'existe plus. Le califat, on peut supposer qu'il a disparu sur le plan territorial, mais il existe, il frappe partout et dans le monde. Et comment il mobilise? C'est intéressant ce que vous dites. J'arrive. Parce que, ouais, comment il mobilise? C'est par Internet. Moi, à mon sens, ce que j'ai bien évoqué tout à l'heure, on ne peut pas réguler, sauf si le droit est perçu d'une manière... On le fait avec les propos terroristes. Avec les propos terroristes, on le fait... Sauf si le droit est perçu collectivement ou publiquement utile. La liberté d'expression, personne ne peut le contester, parce que nous savons tous, quels que soient les bords, de droite, de gauche, quelle que soit la religion, quel que soit le sexe, tout le monde revendique cette liberté d'expression. Et sur le plan donc Internet, le monde numérique, ce droit-là n'est pas encore construit. Qu'est-ce qui reste? À mon sens, la priorité, elle va sur la régulation des fournisseurs d'accès. Oui. Mais c'est dans le périmètre de notre mission, et la question des fournisseurs d'accès, la question du statut hébergeur versus éditeur, ce sont des questions évidemment fondamentales qu'il faudra examiner, bien sûr. Pour juste continuer ce que dit Lara, on disait tout à l'heure la prévention en amont. Vous parliez de Daesh tout à l'heure, avec toutes les horreurs qu'il a fait. Comment ça se fait qu'il a pu, à certaines époques, convaincre certains jeunes? On avait des vidéos, c'était professionnel, la communication était... Peut-être que les institutions en France, l'armée, la police, l'administration, les hommes politiques, sont peut-être dépassés, comme vous le dites. Ces jeunes-là sont plus séduits par des choses terribles. On se rappelle de ces vidéos, de ces exécutions. Et au final, comme vous dites, ils boudent tout ce qui est site administratif, site des services de police, de l'armée. Ça aussi, c'est des choses qu'il faudrait peut-être revoir. Moi, quand j'étais adolescent, en banlieue parisienne, en région parisienne, en lycée, c'était dans les années 90, ça commence à dater, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient des croyants, évidemment, mais très pratiquants, et que l'on pourrait peut-être, c'est un peu anachronique, mais qualifier aujourd'hui de salafistes. Bon, c'était des jeunes, tout ça. Et je me souviens, on discutait avec eux, etc. On était scolarisés ensemble. Et parfois, à la fin de la journée, tout ça, discuter ou salle de sport, machin. Et ils nous donnaient des cassettes vidéo ou des cassettes audio. Tiens, regarde, écoute ça, Shir Tarkan. Comment c'est leur prosélytisme, voilà. Bon, c'est... ok. Il faut bien voir l'océan qui a été franchi depuis. Avant, c'était des cassettes audio. Il fallait prendre la cassette, qu'elle soit de bonne qualité, la mettre dans un truc, l'écouter, etc., etc. Aujourd'hui, un jeune qui a 14 ans, qui se pose des questions sur l'islam, sur la religion, le sens de sa vie, sur est-ce que j'ai le droit d'écouter de la musique si je suis tout simplement croyant, et qu'est-ce que disent les textes, il va taper ça sur Google ou sur YouTube. Là, les premiers contenus qui arrivent, ce sont des contenus qui sont explicitement extrémistes. En plus, je dirais une chose. Ils sont exposés aujourd'hui, les jeunes, nous tous. Pour ça que la question de l'esprit critique est fondamentale. Comment faire la différence entre le vrai du faux, etc., les sources et compagnie, une fausse information, une réinformation. Bon. Chacun aujourd'hui est exposé instantanément à une masse qui se multiplie à une vitesse inouïe de contenus haineux, extrémistes et compagnie. La question c'est, et la loi est importante, comment on fait la différence entre un contenu qui viole explicitement la loi et un contenu qui est borderline, qui est sur le fil? Quelqu'un qui va dire, ah oui, moi je pense que l'excision par exemple, eh ben c'est une très bonne chose, voilà, c'est une pratique qui est tout à fait autorisée, d'après Tartampion, etc., etc. C'est pas quelque chose qui viole explicitement la loi.
Alors, on se rappelle de la phrase, c'est un contenu extrémiste. Comment on fait avec ces contenus? On se rappelle de la phrase de Roland Barthes qui disait « Toute loi qui opprime un discours est insuffisamment fondée, n'est-ce pas ?» Et tout le problème, il est là. C'est liberté d'expression ou pas, c'est ce que disait aussi Ria. À quel moment on met la limite? Bien sûr. Il est là. Bien sûr. Après, vous rappelez ce que dit Mark Prensky, le grand sociologue des médias et philosophe américain. Aujourd'hui, il y a un nouveau choc des générations, n'est-ce pas? Il y a des digital migrants et les digital natives. Ce n'est pas pour faire un jour à nous autour de la table, mais on n'est pas des digital natives. Nous, on est nés, Internet n'existait pas. On est de la galaxie Gutenberg, comme dirait Marshall. Pas moi, Christ. Mais si, vous aussi. Arrêtez de vous faire passer pour plus jeune que vous ne l'êtes pour nos amis de Pervert TV. Okay. La vraie question, c'est que les digital natives, et eux, c'est leur langue maternelle, tout ça. YouTube, Snapchat, Instagram et tout ça. Et ils vont accorder énormément de crédit. Plus même qu'à la télé et à la radio, plus même qu'à notre propre média, Morand. C'est-à-dire que eux, et c'est ce que vous disiez, entre justement les premiers, c'est-à-dire comment ça s'appelait quand c'était Ben Laden, ça s'appelait avant Daesh, ça s'appelait Al-Qaïda. Eux, c'était des nuls. C'était presque après les casquettes, c'était eux. Eux, après, ils ont fait venir des ingénieurs de la Silicon Valley, des jeunes qui étaient super forts. Et ils ont fait des vidéos, comme dit Mrand, qui étaient du niveau Hollywood. Qui étaient sur YouTube et que YouTube exactement ne laissait prospérer alors même. J'allais y venir. Alors même. Donc il y a une complicité. C'est ce que tu disais. Donc il y a une complicité des diffuseurs. On le laisse répondre. Moi, je pense qu'on verra. Ouais. Mais de fait, il y a eu pendant très longtemps, parce qu'ils avaient beaucoup d'avance, c'est comme la fachosphère, l'extrême droite, ce qu'on appelle la fachosphère. Mais vous avez raison, évidemment, vous avez raison. En revanche, quand il y avait des enjeux financiers considérables qui étaient concernés ou impliqués pour YouTube, par exemple, les droits d'auteur, un contenu, une vidéo avec une microseconde, milliseconde de musique provenant d'un tube protégé au titre des droits d'auteur était instantanément supprimée de YouTube. Et la chaîne était fermée, les signalements, etc. Bref, tout ça... Quand il s'agit du business, c'est très fort. Hein. Exactement. Il y a un autre... Et sur les contenus extrémistes, et avant même, les contenus extrémistes, c'est difficile parce que c'est pas forcément très, très explicite, c'est souvent très insidieux. Mais quand il s'agissait de contenus terroristes, pendant très longtemps, on voyait sur le web, sur YouTube, sur les réseaux, des contenus qui étaient, très clairement, parce qu'ils violaient la loi évidemment, mais qui étaient surtout une incitation à commettre des meurtres, très très clairement. Donc la responsabilité des plateformes. Après, il faut quand même, pour ne pas trop leur taper dessus, ils le méritent à certains égards, mais dire qu'ils ont fait des efforts. Ils ont fait des efforts. Twitter, Facebook, YouTube, aujourd'hui, parce que des lois ont été votées sur les contenus extrémistes, où l'arsenal législatif a été enrichi, ils font des efforts en termes de signalement pour retirer des contenus qui sont signalés, etc. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut inclure ce qu'on appelle les contenus haineux, notamment racistes et antisémites, dans ce dispositif-là? C'est une question qu'il nous faudra trancher. Très bien. On revient juste après la pub et je vous donne la parole. Restez avec nous, on revient juste après ça. Bien, Azoul, Insouf, Yissou, Nahrich, au scène actuel, nous sommes les Sagir, à Internet, à Femsel, au Kanan, Mahia, Douatas, Nirvan, à Goud, Maskari, Mamlal, Kina, Azoul, à Tsmithia, avec Kiltnam, Soufar, Datas, à Tkitavina, Task, Lissen, Israël, avec les Français, et Souterdis, Emmanuel Macron, dans le Français, et Wakina, avec Kdeshra, à Femsel, à Gin, Mahia, à Internet, à Goudim, Dukolna, Christophe Médici, la recherche. Comme promis, on revient vers vous, Lara. Moi, je reviens sur ce que vient d'évoquer Karim sur, dans les années 90, les cassettes circulaient. Et puis aujourd'hui, c'est Internet. Je prends que l'aspect islamosphère. Hein. À mon sens, et d'après ce que j'ai lu, ce que j'ai observé, ce que j'ai suivi, c'est toujours les mêmes producteurs. À l'époque, c'était la cassette, la fameuse cassette de Kouchk, qui donnait des explications sur l'islam. Aujourd'hui, quand vous tapez juste islam, vous retrouvez les mêmes producteurs de contenu et globalement les mêmes fournisseurs d'accès. Et donc, quelque part, l'un ou l'autre
ils n'ont pas de responsabilité juridique. Et on a tendance à critiquer davantage les consommateurs. C'est à peu près le vieux dilemme du corrompu, corrupteur, prostitué, prostitué, je mettrais S. Mm-hmm. Donc, le problème, dernièrement, et publiquement, le prince héritier saoudien disait que pendant 30 ans, nous avons fourni ce qui a produit l'islamo-wahhabisme dans le monde. La question qui se pose, peut-on légiférer et peut-on réguler dans un contexte géopolitique qui peut utiliser, y compris l'islam, comme un facteur de domination? Vous reprenez les propos de Manuel Valls qui veut interdire le salafisme. Non, je ne reprends et je ne partage d'aucune façon sa conception à lui. Hein. C'est effectivement, en tout cas, ce que préconise pour résoudre ce problème. On ne peut pas interdire le salafisme. Exactement. C'est une liberté de conscience. C'est au-delà de la liberté d'expression. On peut ne pas parler, mais penser soi-même, au fond, absolument. Dans son intimité, absolument. Vous ne pouvez pas me l'interdire. Absolument. Et par ailleurs, sur ces sujets-là, c'est vrai qu'il faut être très prudent et surtout très attentif à ne pas faire d'amalgame ou de confusion. Absolument. Évidemment, ce qu'on voit trop souvent dans le débat public. Non, ma question, elle était, je vais la préciser pour être plus clair et pour s'éloigner de. Ouais. de Manuel Valls. Il était de ma promotion à Paris 1. Allez. Il ne m'apprend rien, moi j'ai continué de la recherche, et lui il a continué dans la magouille. Dans la politique. La différence fondamentale, c'est l'enjeu géopolitique. Quand les États-Unis, pour faire face à l'Union soviétique, elle a mobilisé des moujahidines pour combattre l'Union soviétique. Ils l'ont mobilisé dans d'autres espaces, mm-hmm. sans citer. Mm-hmm. Et donc, forcément, la puissance publique, quelle que soit, ils doivent comprendre, surtout avec Internet maintenant, parce que c'est un moyen d'expression extraordinaire, mm-hmm. que ça échappe à tout le monde. Donc, forcément, c'est comme l'époque de l'anarcho-syndicalisme. Donc, il ne fallait pas pousser trop la liberté, il fallait réguler la liberté. Et personne, on disait même, ma liberté s'arrête ou commence votre liberté. Et ça gêne personne. Aujourd'hui, sur l'Internet, nous, liberté s'arrête ou commence les libertés des autres, peut-être. Je vous interroge. Bien sûr. Écoutez, moi, c'est un vaste débat. J'essaye d'avoir des positions simples sur ces sujets-là, qui est celui dont on parle évidemment depuis le début, parce que c'est ça qui est en jeu, c'est la liberté d'expression, c'est la question de l'opinion, et de où doit s'arrêter, et doit-elle s'arrêter, mon opinion, est-ce qu'elle doit être bornée? Et moi, je considère, j'ai peut-être tort, et peut-être que ma réflexion va évoluer, que... une opinion religieuse, même si elle nous déplaît, peut être affirmée, peut être diffusée, dès lors qu'elle n'est pas, encore une fois, attentatoire à ce qui fait de nous des citoyens, aux valeurs de la République, à nos lois, dès lors que quelqu'un qui exprime une opinion religieuse, et pour changer un peu, on va par exemple prendre quelqu'un qui est bouddhiste, et qui a une conception, une haute conception de sa religion, une conception peut-être même restrictive ou dogmatique, eh bien il peut l'exprimer, il peut considérer et que c'est son droit. En revanche, si cette personne-là, en exprimant sa conviction religieuse et son opinion en la matière, eh bien, s'en prend à des individus qui, par exemple, seraient musulmans ou juifs, en leur niant le même droit d'expression ou, pire, le droit à la vie, eh bien, cette personne-là, en vertu de lois qui existent d'ailleurs, il n'y a pas besoin de nouvelles lois, doit être punie. Donc, moi, je suis d'accord avec vous, bien sûr, sur l'arrière-plan et le contexte
géopolitique qui anime, et sur le wahhabisme en particulier, évidemment. Mais il faut faire preuve de responsabilité. L'ensemble des acteurs doivent faire preuve de responsabilité. Les fournisseurs d'accès, vous le disiez, bien sûr, les plateformes. Et il est, aujourd'hui, c'est vrai, il est absolument incontestable que ces producteurs de contenu-là, pour les raisons qu'on a évoquées d'indifférence, de retrait de la puissance publique, etc., ont énormément d'avance. Mais justement, c'est que les politiciens qui normalement sont chargés de la... Absolument. Eh oui, la déviance, toute civilisation, toute époque, on a tous ici fait des études d'histoire, peu prou, on sait très bien que ça a toujours existé, toute civilisation. Oui, on peut pas le... Quand il y a les garants de l'institué, il y a les déviants qui veulent faire autrement, reprenons Hegel, institutionnalisation. Oui. C'est vrai qu'ils n'ont pas vu venir, et là-dessus, on est tous d'accord là-dessus, bien sûr. Ils ont eu des métros de retard sur le fait que ça, ces formidables lieux d'expression, pourraient être utilisés pas que par des gens raisonnables, mais aussi par de grands malades mentaux. Bien sûr. Bon, ils n'ont pas vu aussi que les sectes pouvaient les utiliser et tout ça. Or, aujourd'hui, même nous, les gens des médias, avons été dépassés par ça. S'il y a bien une profession sinistrée par ça, c'est le métier de journaliste. Parce qu'aujourd'hui, peu ou prou, tout le monde peut devenir fournisseur d'infos et même des pires bêtises. Je crois que vous aviez monté quelque chose qui s'appelait Contre le Fake ou je ne sais pas trop quoi. Oui, oui. What the fake, voilà. Donc, évidemment qu'il y a tout et n'importe quoi. Le seul problème, c'est qu'on est embarqué. On ne fera pas machine arrière. On est tous, peu ou prou, des homo connecticus. Oui, les enfants, c'est une civilisation numérique. En sont. Nous vivons dans la civilisation numérique. On a tous un mois numérique. Évidemment. Un mois numérique. Bien on existe sur Internet. Bien moi, pour préparer cette émission, je vous ai cherché. Je ne vous connaissais pas. Et maintenant, je vous connais. J'ai cette chance. Mais je vous ai cherché. Je vous ai googlisé, comme disent tous les jeunes qui nous écoutent là. J'ai regardé votre mois numérique. On a regardé votre page Wikipédia. Christophe Médici a un mois numérique. Morand Cassioli. Tout le monde. Tout le monde a laissé des traces. Oui. Le problème qui va se poser, je crois, c'est que maintenant, il y a des gens qui sont élus comme ça. Aux États-Unis, on a un premier président qui a fait ça. C'est Monsieur Président Twitter. Mmh. Et d'ailleurs, il vire même ses bras droits par un tweet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les digital natives qui font ça. Et soit dit en passant, notre président de la République, qui est un jeune, hein, aux yeux de la gérontocratie politique qui était la nôtre avant pendant longtemps, on avait quand même élu un jeune, notre JFK à nous. Il est lui aussi quelqu'un qui sait utiliser tout ça. On voit bien comment, via les nouvelles chaînes YouTube, via toute l'équipe de jeunes qui est à l'Élysée, il a révolutionné la com' politique. Il y a des jeunes maintenant qui sont des geeks, qui s'occupent du président de la République, vous pouvez nous le dire. Je veux dire, c'est la vérité. Aujourd'hui, c'est devenu incontournable. C'est-à-dire que maintenant, les élections se gagneront aussi par le cyber-électeur et la cyber-campagne. Oui, vous êtes d'accord, Karim ? Je suis d'accord. Elle se gagnera là. Nous vivons dans la civilisation numérique, évidemment. Évidemment. Et ça ne sert à rien d'être nostalgique. Voilà, ça ne sert à rien d'être dans le passé. Ça sert à rien. L'époque des tracts. C'est fini. L'époque des porte-à-portes. Les porte-à-portes. C'est fini. Même les syndicalistes sont dans la merde. Parce que les manifs de l'époque à papa et même de 95, c'est mort. Bien sûr. C'est mort. Ils essaient de faire autre chose. C'est pour ça. Ils ne mobilisent pas parce que c'est mort. C'est pour ça qu'il est urgent que cet espace-là, qui est celui dans lequel finalement nous vivons tous, et nous peut-être un peu moins que ceux qui viennent après nous, soit régulé. Vous avez un rôle central sociologiquement, mine de rien. Vous avez un rôle central, c'est une question de société. C'est important, c'est un sujet qui est éminemment politique. Ouais. Et encore une fois, on croit toujours que d'abord c'est Internet, donc un peu marginal, ou je sais pas quoi, alors même qu'on l'a rappelé 50 fois. Non, mais nous sommes dedans et nos enfants et les plus jeunes sont encore mille fois plus que nous, ils sont nés dedans. Bon, donc c'est, pour employer un terme qui a donné lieu à un film, c'est la matrice en quelque sorte dans grand laquelle film. Nous sommes. Matrice, voilà. Néo. Bon, Néo. Sans Néo. Les, j'espère, sans les effets pervers, oui, exactement. Sans les effets pervers que nous connaissons, mais enfin, nous vivons dedans. Par ailleurs, bon, ça c'est sur Internet, par ailleurs sur le racisme et l'antisémitisme qui a fait encore victime quand même avoir conscience. C'est-à-dire qu'en France, on se fait tuer parce qu'on est juif. Et c'est quand même quelque chose qui doit nous questionner. Que quelle que soit notre confession, notre appartenance, c'est quand même absolument incroyable. Donc c'est ça, dire qu'il y a un sujet énorme par rapport à ça, mais ça concerne pas seulement les juifs et les arabes, ça concerne tout le monde. Et puis, les femmes, les homosexuels, les minorités. Toutes les minorités. Christophe, on en parlait tout à l'heure femmes aussi. Femmes qui sont la majorité démographique par ailleurs. Sur cette partie antisémitisme et notamment de la personne avec qui il va travailler. Alors qu'est-ce que cette personnalité, paraît-il, on a fait des recherches sur lui, un peu sulfureuse, ce fameux Gilles Taïeb avec qui vous collaborez. On se permet de vous le demander. Alors d'abord, il est un ultra-sioniste. D'abord, il est très sympa. Bon, bah tant mieux.
Ensuite, c'est ce que dit mon ami Eric Nolot d'Eric Zemmour. Donc. ils ont fait un sacré bout de chemin ensemble, par ailleurs. Mon père, depuis 2007, c'est un couple. Alors, ils ont fait le couple avec Gérard. Parlez-nous de Cheikh Tayeb. Le président a souhaité nous nommer tous les trois. Oui, il y a une troisième personne. Voilà, Laetitia Avia, qui est députée de Paris, qui a été la cible, députée de La République En Marche, qui a été la cible de ces fameux raids racistes de très 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 graves. Elle a déposé plainte, donc elle, sur ce sujet, elle a éprouvé la gravité du sujet. Donc, le président a souhaité nous nommer tous les trois, pas de façon anodine, pour essayer de trouver des moyens d'améliorer la lutte contre la haine, la cyberhaine, le racisme, l'antisémitisme sur Internet. Comme je disais, à l'instant, ce n'est pas anodin, évidemment. Et ça veut dire que, alors pour être très caricatural, enfin, c'est pas black blanc beurre, black bon, etc. Tout ça n'a pas beaucoup de sens. Mais enfin, il n'empêche que c'est un trio qui est représentatif. Pas de tout, évidemment, mais d'un certain nombre de sujets. Par ailleurs, nous arrivons, Gilles, Laetitia et moi, avec, pour répondre directement à vos questions, des univers différents, oui. Avec des parcours, des expériences et des opinions qui, sur ces sujets-là, oui, sont différents, évidemment. Et cela, premièrement, ne va pas nous empêcher de travailler ensemble. Et deuxièmement, je pense que c'est même positif. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va travailler ensemble, parce que ça va nous permettre d'atteindre ce fameux point d'équilibre que j'évoquais au début. Mais alors, question, on n'a pas les mêmes. Vous avez du budget, vous avez un lieu, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, ça se met, c'est cette semaine-là. C'est là, vous êtes en train. C'est un bébé à la mamelle, quoi. Ça se met en place, on va avoir des bureaux, une équipe, des moyens pour travailler. Bon, nous, on n'est évidemment pas du tout payés, hein, donc il faut quand même. Ah, vous n'êtes pas payé? Pas du tout, pas évidemment. C'est totalement. Vos activités professionnelles. Évidemment, c'est totalement bénévole. On est à la. C'est une mission de service public. Ah, carrément bénévole. Voilà, donc on se met à la disposition. Moi, les frais. Alors, avant qu'on revienne un peu, parce qu'il a travaillé beaucoup sur les inégalités et un peu sur l'Algérie, je voudrais qu'on termine sur Internet. Et vous sollicitez des compétences? Ah oui, bien sûr. Bah, on va travailler avec beaucoup, beaucoup de gens. On va écouter tout le monde. Et on va surtout... Et on va surtout écouter tous les acteurs qui ont travaillé sur ce sujet, parce qu'on n'arrive pas de nulle part. Et, Alors, est-ce que au moment où on parle de tous ces dangers, et d'un autre côté, on regarde beaucoup de médecins, beaucoup de spécialistes qui disent que distribuer des tablettes à partir du primaire et du CP, habituer les enfants à aller sur Internet. On se rappelle du plan de Hollande, je ne me rappelle plus combien de milliards. Le plan numérique de Hollande. Et d'un autre côté, on se dit, voilà, on perd l'esprit critique. Mmh. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi se poser la question sur ça? Sans doute. Et là, par contre, moi, je ne vais pas, je suis pas spécialiste de psychologie cognitive. On a un ministre qui est très porté sur ces sujets. Voilà. Je ne sais pas du tout l'impact que ça peut avoir sur en particulier sur les plus jeunes ou quand on a un enfant. Ah ben ça, on peut le dire. Comme Serge Tisson, j'ai écrit là-dessus, puisque les premiers chapitres de mon livre Homo Connecticus, 3, 6, 9, 12 du psychanalyste Serge Tisson, dit bien qu'avant 3 ans, de toute façon, les écrans, c'est niette. Entre 3 et 6 ans, il vaudrait mieux très peu qu'ils aillent sur Internet. Parce que déjà, leur cerveau, vous savez comme moi, comme disait Alain Kerr, Internet rend-il bête? Internet ne rend pas bête. Mais en tout cas, change le mode ça change le cerveau. Moi, je suis très sur ces sujets-là et je suis très vieux jeu. J'aime les livres et le support physique. J'adhère à cette perception. Internet participe également au retrait de l'enfant, surtout pour l'enfant, à la lecture. Il lit, mais il lit plus des livres. Alors, on lit peut-être différemment. Il lit différemment. Il y a peut-être des programmes. Beaucoup, beaucoup de choses. J'avoue que je suis vraiment... Il ne va pas lire Balzac sur Internet. Une dizaine de minutes, j'aimerais qu'on parle, parce que vous avez beaucoup travaillé sur les inégalités. Vous avez parlé tout à l'heure de la banlieue. Vous avez beaucoup écrit sur bien ça. Bien sûr, vous avez connu des jeunes qui écoutaient des cassettes. On a quand même des parcours qui ont réussi. La preuve, elle est là. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, ces jeunes qui étaient peut-être dans des salles de sport... qui écoutaient des fois des cassettes, des fois se posaient des questions à ce qu'ils avaient le droit d'écouter la musique ou pas. Mmh. Finalement, on les retrouve en série, à côté de Dash. Ah ben, vous savez, moi, j'ai suivi ça fait écho
à beaucoup de choses qu'on a déjà dites. Moi, j'ai depuis très longtemps une opinion qui est très ferme là-dessus. Je pense que nous sommes, avec une part de responsabilité bien sûr, mais nous sommes le produit, les produits d'un environnement, de structures. Voilà, c'est peut-être que dire la gauche, gna gna gna, irresponsable et compagnie, mais je l'ai vu, je l'ai éprouvé, je l'ai vécu. Quand vous mettez, j'ai écrit un roman là-dessus qui s'appelle Cité à comparaître, c'était en 2005, 2006. Qui raconte cette trajectoire-là, quand vous mettez un gosse qui a des moitiés de parents, qui a pas d'argent, qui vit dans un truc, un clapier, dans une barre gigantesque, avec du trafic de drogue en bas, qui va pas à l'école, où il y a zéro livre chez lui, quand vous faites passer les années, écoutez, il y a peu de chances, très honnêtement, à moins qu'il y ait une force de caractère en face à un héros, il y a peu de chances que cet enfant-là devienne polytechnicien, normalien ou inspecteur des finances. Ah, je l'ai vécu, éprouvé. Moi, c'est une histoire très particulière parce que je viens pas de cette, je ne suis pas issu, je l'ai connu et fréquenté, mais je ne suis pas issu de cette histoire-là. Je venais d'Algérie. Et bon, voilà, c'est une autre histoire. Mais on en a connu hein, dans les années 90 des gosses, je dis des gosses maintenant, mais à l'époque c'était finalement des camarades qui ont bifurqué, qui ont été même très très loin, qui ont été très loin dans la délinquance, qui ont été très loin dans la criminalité, et on sait que les choses sont très connexes, très proches, qui ont basculé d'un univers de déviance à l'autre, et qui parfois sont partis très loin, mais au sens propre, c'est-à-dire géographiquement. Et tout ça, de mon point de vue, hein, dit depuis très longtemps, mais bon, c'est la situation des banlieues, c'est la question des ghettos, c'est les territoires perdus, c'est la question de l'école, évidemment, qui est fondamentale, c'est la question de la mixité, quand vous voyez des collèges... Bref, c'est plurifactoriel. Bien sûr que c'est plurifactoriel, mais il y a une responsabilité de tout le monde, hein, de tout le monde. Mais qui est énorme, voilà, quand vous avez des ghettos dans la République, des ghettos, je le dis pas pour stigmatiser, des ghettos ils s'appellent eux-mêmes comme ça. Oui, bien sûr. Bon, ça produit pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, il y a peu de chances que ça produise des merveilles, ça arrive, c'est formidable, c'est des exemples et c'est des véhicules d'identification, mais il faut pas oublier tous ceux qui ne s'en sortent pas et qui restent derrière, quoi. Ça, c'est formidable. Rien n'est fait finalement. Eh ben, écoutez, alors il y a des choses qui sont faites, il y a des plans, il y a des... Mais bon, vous allez aujourd'hui, je ne veux pas stigmatiser des territoires, enfin on les connaît très bien, mais dans certaines poches du 93 ou ailleurs, enfin dans les quartiers nord de Marseille, je ne sais pas, peu importe d'ailleurs, dans ces territoires qu'on dit perdus, qui sont, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais... Le livre avait fait date. Hein. Non. Il avait fait date. Oui, bien sûr qu'il avait fait date. Bah, et pour cause, mais c'est en tout cas. Il avait le mérite de mettre le palais dans la mare. Il y a un sujet et il faut que les politiques s'en emparent. Bon, j'espère que le président Macron va le faire. Mais c'est fondamental et je crois qu'on réglera une partie du problème seulement. Une partie du problème de ce qu'on appelle la radicalisation, par exemple, plus généralement de la délinquance, de ces formes de déviance-là, on ne réglera qu'une partie du problème si on ne s'attaque pas à ces racines-là du mal. C'est vraiment fondamental. Je rebondis sur votre interprétation. Moi, je pense que vous avez, au début, abordé la question moitié de baraque. Mais si, et ça... renvoie sur ce que vous évoquez tout à l'heure, les territoires perdus, le ghetto. Moi, je pense qu'au-delà de ça, il y a quelque chose qui est plus important. C'est la moitié de la langue, la moitié du pays, la moitié de la conviction, de la conscience elle-même. C'est-à-dire qu'il est né en France à moitié, il parle une langue à moitié. Il a un pays à moitié, il est à la fois français et quelque chose d'autre. Mais vous avez évoqué ceux qui viennent d'Afrique du Nord, du Maroc, d'Algérie, qui ont fait probablement qu'ils ont laissé... Désolé. Alors c'est l'Algérie qui vous appelle. Ça, c'est le dire. On continue parce que... La deuxième fois. Donc, ceux qui viennent d'un pays... L'Algérie, la Tunisie, quel que soit le pays, ils ont un pays. Ils ont fait une forme de voyage, d'exil intellectuel, sur le plan de la conscience, sur le plan du savoir. Ils cherchent quelque chose. À mon sens, les statistiques qui sont là, les gens qui sont issus d'Afrique du Nord, en parlant de l'islam nord-africain,
pose moins de problèmes que les Nord-Africains nés en France. Et on doit s'interroger, donc ce n'est pas une question de moyens. Ceux qui viennent du Maroc, du pays du Rif, ils sont dans l'adversité absolue, ils arrivent ici, ils réussissent, ils s'intègrent. Ceux qui viennent d'Algérie, ou de l'Algérie profonde, ils sont dans l'adversité multiforme, ils viennent ici, ils s'intègrent. Et donc il y a un problème qui relève, à mon sens, de la reconnaissance. La puissance publique doit reconnaître, d'une manière ou d'une forme, d'une manière respectant les droits et les lois de la République, c'est de reconnaître l'autre partie alors, du pays perdu. Je ne dis pas du territoire perdu. Ou de la conscience perdue. Je crois qu'il faut aussi garder en tête que ce concept d'intégration qui commence à être un petit peu daté ou peut-être obsolète, mais en fait ne concerne qu'une infime minorité des Français issus de l'immigration, comme on dit. Ça, c'est quelque chose qu'on rappelle trop peu souvent, et notamment dans le débat public. Issus de la France, bien sûr. Et ceux qui sont issus de l'immigration sont mieux intégrés. Vous prenez des exemples. Les harkis, les enfants du harki, les milliers d'enfants d'Algérie, pour comparer simplement. Oui, effectivement, je ne sais pas parce qu'il faudra avoir des chiffres, des données permettant de comparer. Je crois que l'écrasante majorité des Français issus de l'immigration maghrébine ou nord-africaine, comme d'ailleurs l'écrasante majorité des Français d'origine subsaharienne, pour le coup, ont des parcours. J'aime pas ce terme de parcours d'intégration, mais enfin, ils sont français, ils n'ont pas vocation à être intégrés, ils le sont à la naissance. Jamel, ce sont des ici-ciens. Oui, voilà, ce sont des ici. Exactement. Ce sont des ici-ciens. Tout à fait, ils sont là comme les autres, c'est tout à fait clair. Mais ce sont des gens qui ont réussi. Parcours professionnel, non ? Qui ont réussi leur parcours professionnel, qui vivent leur... pour reprendre l'exemple de la religion musulmane, qui vivent leur islam de façon extraordinaire. Et on peut vivre un très beau métissage, bien sûr, culturel, bien sûr, socioculturel, bien et être métisse. Bien sûr. Et bien c'est sûr, une grande richesse, d'ailleurs. Absolument. Évidemment. Absolument. Alors, une fois qu'on a rappelé ça, ce qui est quand même la norme pour... C'est pas l'écrasante majorité, parce que c'est même en dessous de la réalité. Pour 99,9% de ces Français-là issus d'ailleurs, d'où que ce soit du reste, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un certain nombre de problèmes dans un certain nombre de territoires, encore une fois, absolument, que la République, pour son bien-être, pour le mieux vivre collectif, doit s'astreindre à régler. Ça fait 50 ans qu'on en parle, les plans banlieue, diversité, etc., etc., se multiplient. Malgré, c'est ça qui est quand même formidable dans ce pays, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, je connais très bien les États-Unis, je peux vous dire que je ne souhaite à aucun Français issu de l'immigration d'y vivre. Hein. Parce que quand vous naissez dans un ghetto de Chicago, vous y restez, mais alors ad vitam aeternam, pour le coup. Hein, ça, les chances de réussite, parlant d'égalité des genres, sont infinitésimales. Malgré les problèmes qu'il y a en France, qu'on a évoqués de banlieue, de bâti, de ghetto, de ségrégation scolaire, etc., eh bien, les Français issus de l'immigration réussissent dans leur immense majorité. Et, quoi qu'on en pense et quoi qu'en disent certains, ne deviennent pas tous des radicaux en puissance, des terroristes en puissance, etc. Mais tout simplement des Français comme les autres, peut-être issus d'ailleurs, et qui qui vivent leur identité de façon apaisée. Et puis on va terminer par l'Algérie. Je rappelle que vous étiez avec le président Emmanuel Macron à Alger. D'abord, sur les relations franco-algériennes, vous les voyez comment aujourd'hui ? Je les vois... d'abord, la relation bilatérale, la relation politique est, au fond, toujours bonne, parce que les intérêts stratégiques, les intérêts politiques, les intérêts économiques sont tels qu'elle ne peut être que bonne. Humain. Sur le plan humain aussi. Sur le plan humain, il a vu absolument. Le président Bouteflika ? Il l'a vu, tout à fait. Ils ont eu un échange. Il a vu les autres officiels. Il a vu le Premier ministre Yahya. Il a vu tout le monde. En tout cas, tous les officiels. Donc, la relation bilatérale, de ce point de vue-là, elle est bonne. Je regrette toujours qu'il y en a. Il y en a de plus en plus. On a la chance d'avoir
pour une fois, enfin pour une fois, je ne devrais pas dire ça, mais un ambassadeur de France en Algérie, un ambassadeur d'Algérie en France, qui sont des gens qui sont compétents, professionnels, et qui ont envie de faire des choses. Et qui ont envie de faire des choses, notamment, je laisse de côté les affaires stratégiques, politiques, etc., mais qui ont envie de faire des choses sur ce qui nous concerne, nous, c'est-à-dire la société civile. Les citoyens. Hein. Exactement, les citoyens, sur le plan culturel, sur le plan universitaire, etc. Alors, je regrette toujours qu'on n'en fasse pas assez, qu'il n'y ait pas assez de choses qui se passent, que nous, ici, en France, on ne s'organise peut-être pas suffisamment, qu'il y ait un certain nombre de questions qui restent en suspens, qui ne soient pas traitées, qu'il n'y ait pas assez d'échanges culturels. Bon, il y en a quand même beaucoup et ça continue à se développer. Je regrette que l'Algérie, évidemment, et du côté des autorités, ne reconnaissent pas suffisamment l'importance, le rôle de ce qu'on appelle là-bas la diaspora, ou des Algériens de l'extérieur, dont évidemment beaucoup de franco-algériens, dont je suis une illustration, et qui sont des passerelles. Et voilà, donc ça va venir. Il y a indiscutablement depuis quelques années un renouveau de cette diaspora, ce qui est formidable de voir tous les forums, les associations, les trucs d'étudiants, de relations d'affaires, etc., d'entrepreneuriat qui se créent. Donc je crois que là, vous l'avez d'ailleurs dit dans un truc du Monde, là, dans un article au Monde, la chance de la relation bilatérale, c'est la vivacité de part et d'autre de la Méditerranée des sociétés civiles. Et il ne faut pas croire que la société civile en Algérie soit moins vivace et moins créative que la société civile en France, elle l'est aussi en grande partie. Et puis donc, vous êtes l'un des créateurs de Chouf-Chouf, hein, le oui. site sur Internet Chouf-Chouf. Et quand je préparais l'émission, j'ai vu que vous prépariez, vous écriviez quelque chose sur l'Algérie, un roman sur l'Algérie. Oui. Là, vous voyez comment l'Algérie aujourd'hui. On terminera par là. Ben, je la vois d'abord comme un Algérien de l'extérieur. Je la vois comme un Algérien de l'extérieur. Ma mère est française, mon père est algérien, donc ça me donne un regard particulier sur ce pays où j'ai vécu plusieurs années. Donc je la vois comme quelqu'un qui ne vit pas en Algérie, ce qui est important parce qu'il y a toujours un sujet quand on parle justement de Kamel Daoud, de Sansal ou d'autres personnes qui sont des écrivains que je trouve très très talentueux, c'est d'où ils parlent. Il se trouve que eux, par exemple, parlent d'Algérie. C'est très important. On a tendance à oublier aussi. Hein. Moi, il se trouve que je parle d'ici, je parle de France. Et donc, j'apporte un regard, une expérience, un parcours sur mes parents, sur ces traditions-là, sur qui est un regard extérieur que je pose sur cette... Alors, un regard que j'essaie toujours d'avoir extrêmement bienveillant, parce que c'est aussi mon pays, bien sûr. Donc, je suis très, très... je suis très conscient de ça. Mais voilà, alors, comment je le vois évoluer? Moi, je suis optimiste. Je n'arrive pas à être pessimiste, malgré tout ce qu'on, connaît, tout ce qu'on peut imaginer, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, en tout cas, tout ce qu'on voit aujourd'hui, le durcissement, etc., etc. Parce que je vois la société, je suis avec Chouf-Chouf et avec d'autres, je suis branché sur la société civile, je vois les jeunes, je vois ce qu'ils produisent, je vois la création artistique, je vois ces générations de cinéastes, d'écrivains, en Algérie pour le coup, et aussi de franco-algériens. Et je me dis, qu'est-ce que vous voulez qu'avec cette richesse-là, qui est vraiment une singularité, enfin, malgré tous les problèmes qu'il peut y avoir, et il y en a un certain nombre, on a une société civile en Algérie qui est merveilleusement riche. Et ça, c'est l'avenir. Dans un pays aussi jeune, ça, c'est l'avenir. Donc, je reste concentré là-dessus, et je me dis qu'avec ça, on ne peut pas être pessimiste. Oui. On le réinvitera la prochaine fois. On a vraiment dépassé de quelques minutes. Merci beaucoup. Merci à vous. Minel. Merci beaucoup. Merci Christophe. Merci. Merci Laga. Merci beaucoup. Restez avec Berber Télévision. Au revoir. À bientôt.